Yoran à tout le monde, pour les 3 prochaines vidéos, je vous propose les bons plans et les activités de Reyatea. Mais avant, j'aimerais vous dire une phrase que j'ai toujours rêvé de dire. Cette vidéo est sponsorisée. Pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, les vidéos sont sponsorisées et pas par n'importe qui. Il s'agit ni plus ni moins de la compagnie Apetei Express. Apetei Express est votre navette maritime vers les îles sous le vent, reliée Tahiti, Huahine, Reyatea, Taha et Bora Bora par la plus belle des routes avec l'Apetei Express. Vous pouvez modifier ou annuler votre voyage gratuitement jusqu'à 48 heures avant votre départ. À l'intérieur, il y a un snack au premier niveau qui sert des petits déjeuners et des déjeuners. Et voici mon spot favori, la cabine. Un espace dédié au chant et à la musique. La compagnie met même à disposition des instruments pour une traversée en mode bringue et bonne ambiance. Le Sun Deck vous accueillera pour vos moments de détente au soleil et pour ceux qui ont le mal de mer, c'est d'ailleurs l'endroit que je vous conseille puisque les mouvements du bateau sont un peu moins ressentis et l'air frais vous fera certainement un peu de bien lors du voyage. Merci à eux pour leur confiance, vous trouverez leur page Facebook en description. Mais avant de continuer, commençons par le commencement. J'ai ma valise qui est là-bas derrière. J'ai ma musique. Il est actuellement 3h du matin. Là. 3h du matin. Et je suis toujours pas prêt. Je pars dans 3h30. Je crois que je suis un tout petit peu en retard. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Putain, je suis bientôt là. Ils sont en train d'embarquer. Ils sont en train de fermer le bateau. Grouille-toi, pousse-toi, toi. Ah je vous résume la situation, on vient d'arriver sur Reyatea. J'ai des amis qui viennent me chercher et j'ai faim. Allez, c'est parti. Ce voyage a été long et je vous avoue que j'étais fatigué. Heureusement que mon local Maxi m'a offert cette magnifique chemise. J'avais l'air tout beau tout frais en terminant ma journée devant Taha'a et Bora Bora. Bon, première journée. Aujourd'hui, on va aller au jardin botanique pour aller voir les cabios. Je sais pas ce que c'est. Donc on va se renseigner et on se retrouve sur place. À tout à l'heure. Mais avant de partir au jardin botanique, je vais voir un partenaire Reyatea Location. Reyatea Location, nous on se dirige du côté du jardin botanique. Allez, à tout de suite. Merde. Ça passe, il n'y en a qu'à couper, ça passe. Le jardin botanique de Faharoua offre 3,5 hectares d'espace vert. Réouvert au public depuis 2020 après plus d'un an de travaux, ce magnifique havre de paix vous propose de découvrir des espèces végétales locales allant des plantes alimentaires comme les taro, igname et ourou aux plantes cosmétiques comme le gingembre polynésien ou le mati, en passant bien sûr par les plantes médicinales ou ornementales comme le bankuli ou la tiare Tahiti. En plus d'être apaisant, le jardin botanique est un excellent lieu de rassemblement en famille ou avec des amis.
La forêt de Mapé fut pour moi l'endroit le plus majestueux du site, mélangeant une ambiance de mon ami Totoro avec un décor typiquement tropical. Un petit pont pour traverser une rivière, des fleurs à chaque bordure de chemin, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il était possible d'y accéder par l'eau. Silver ocean and golden sun in the blue, crystal sky, I take over the precious stones that you like to buy. Sweet central scents and wind in your hands, and so for the rain is covered. Normalement, j'étais censé rester à peu près une demi-heure, une heure max. Je crois que ça doit faire 2 heures que je suis là, à tourner et à profiter du calme et de la plénitude. Je vous laisse le son juste d'ambiance. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un des moments les plus apaisants que j'ai pu vivre sur Raiatea. Par la suite, je me suis dirigé vers le deuxième site, Les Gabbros. Et bien qu'il ait fallu quelques efforts pour y arriver, le spectacle en valait la chandelle. Dominé par le mont Tefatuahiti, les gabbros sont des roches magmatiques qui auraient cristallisé lentement au cœur de la cheminée volcanique principale de Raiatea avant d'être érodés par le temps en forme de gouttière. Et c'est ici qu'on fait une parenthèse pour que je vous parle de mon troisième sponsor, Anaïs Création et son maître artisan Jean-Yves, qui m'ont confectionné un beau collier en fibre de coco pour ce voyage à Raiatea. Merci à eux pour leur confiance, vous trouverez leur page Facebook en description. Pour revenir aux gabbros, rassurez-vous, il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour arriver sur le site, bien que les panneaux indiquent une longue marche. D'ailleurs, cela vous permettra également d'accéder au point de vue sur le massif du Tohomaru. Là aussi, une expérience à ne surtout pas rater. Une fois mes visites terminées, je me suis dirigé vers la pension des Trois Cascades qui m'a accueilli durant tout mon séjour. Là aussi, ce fut une réelle surprise. En plus d'être très accueillant, la pension des Trois Cascades a un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Bruno et Cyril m'ont dirigé vers le Faré Mahana et plus exactement la chambre Tiare, spacieuse, aérée et très cosy. Pour vous expliquer grossièrement le concept du Faré Mahana, on pourrait le comparer à une grande colocation. Une grande maison, 4 chambres avec des sanitaires communes et, chose surprenante, une grande cuisine mise à disposition et sans rajout sur le tarif de votre chambre. Vous avez même une machine à laver si vous revenez de rando ou si, comme moi, vous terminez votre journée complètement lessivée. Bonjour tout le monde, on est dimanche, il est 4h30 du matin, on est fatigué, je suis avec des potes, on se dirige vers le marché de Outuroa pour aller chercher de quoi bien manger, comme chaque dimanche qui se respecte. Alors, tu peux me dire sur quel stand on est là? Alors, on est sur le stand de Ariti Food en fait, qui propose divers plats de Ariti, comme vous pouvez voir derrière moi. Moi, je viens là spécialement pour leur poehio. C'est vraiment juste le meilleur que j'ai jamais mangé. J'avais l'habitude d'aller à Ariti au marché. Et là, j'ai découvert celui-là. Il a la particularité aussi de faire les deux, c'est-à-dire il fait nature et à la goyave. Et en fait, pour vulgariser un peu, le poehio, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est juste de l'eau de coco qu'on fait chauffer avec du sucre roux, beaucoup de sucre roux, c'est ce qui peut donner un peu cette couleur-là. Puis après, si c'est fait traditionnellement, c'est tu chauffes des pierres volcaniques en fait, que tu vas mettre dans ta préparation. Et c'est ça qui va faire un peu activer l'amidon et qui va donner cette consistance de gelée. Tu peux l'aromatiser après, hein, la goyave, tout ça. Et après, tu sers ça avec du lait de coco et tu te régales.
Alors, je vous explique rapidement. On a fait un petit peu les courses pour les copains et puis après, ils sont rentrés chez eux tranquillement. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de tester le concept de j'irai dormir chez vous. Hein, vous connaissez. Et puis, aller voir les gens. Hey, j'aimerais bien venir Tama chez vous. Et finalement, on m'a accepté dans une famille. Donc, j'y vais tout de suite. Et puis, on se retrouve là-bas. Je peux venir vous assister peut-être. Ok, alors, je me garde dedans. Vous avez bien pêché? Ah, excellent. Tu veux jeter un coup d'œil? Waouh! Wow. Il y a plein, hein? Il y a plein de poissons! Nani aite pere o mataina. Parahi ete mauho ae. Ite geta bachi iwa. Ite matete. Ça y est, c'est fini? Et il est quelle heure là? 7h40. 7h40 et vous avez commencé à 6h30. 6h30. En une heure, Oti, ça y est, tout est parti. Bon, pas bonne journée, ya! Et bonne continuation! Et voilà les amis, c'était pas du tout prévu, je me retrouve avec les collègues, on mange café devant la plage, sur la plage, devant Taha, c'est parfait. Maruru mette les gars, bon appétit. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine ou le mois prochain, je sais pas, on verra bien pour la prochaine vidéo. En attendant, likez, partagez un maximum et surtout abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous, tama mette les gars. Tama mette. Et à bientôt. Bon dimanche. Bon, écoutez cet aïro là. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais remercier tous mes partenaires sans qui cette expérience n'aurait jamais été possible. Vous trouverez leur page Facebook en description et en attendant la prochaine, gardez le sourire, c'est le plus important. Nana. Υπέραϊκο ή ακού.